Monsieur, bonsoir. Attendez moi la présence aussi. Bonsoir, madame. On finit pas, nous. Merci. Donc, moi, je me présente, je suis Djibril. Je suis ni sénégalais, malien, ni ivoirien, ni camerounais. Je suis africain. Dis le bégama. Les filles, ça va? En plus, filmons. Ah, vous êtes toutes belles, toutes ravissantes ce soir. Le caméraman, ça va? Ah, excuse-moi, tu parles pas français. T'as quand même Ah, le gamin. Ah là 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 là. Donc, on est là ce soir dans la gaieté, dans la joie. Moi, je suis Djibril. Artiste, comédien, humoriste, chanteur, tout ce que vous voulez. Bon, je suis venu ce soir pour raconter une petite histoire, une anecdote. C'est un monsieur, il est assis dans un bar. Non, attendez, je peux vous le faire même avec l'accent. Vous voulez bien? Oui. Parce que je sais faire plusieurs accents. Par exemple, le Wolof, il dit Nanganef, magnifique. Thierry, tu comprends pas ce que j'ai dit? Pourtant, je ne suis pas sénégalais. Tu comprends ça? Et chez les Camerounais, c'est ouais, alors. On dit quoi alors? On est présent ce soir, non? Donc, c'est pas grave. Je veux vous faire le sketch alors en accent camerounais. Je peux poser l'accent congolais. Vous savez quoi, ça va, Canada? Hein? Je voulais l'accent, je suis moi, vous inquiétez pas. Applaudissez-vous vous-même d'abord. Donc, il disait alors, c'est un monsieur, je passais par un bar, je vois il est assis sur sa table, il y a sa bouteille qui est posée, il n'a même pas encore entamé la bouteille, le monsieur il est là, il fait Ah! Il dit Ah! Ce monsieur il a une maladie, il a un problème. Or, tous les gens qui vont se renseigner sur ce que ce monsieur là a fait, quand ils vont au bar, quand ils quittent le bar, ils tous ils font J'ai dit, ah! Attendez, je vais aller me renseigner parce que il y a un problème. Je vais voir le barman. Je dis, le barman, le monsieur, il a un problème, c'est quoi? Le barman me dit, si je t'ai dit, tu vas faire. J'ai dit, non, barman, je ne peux pas le faire. Parce que j'ai vu tous ces gens-là, ils l'ont fait, je ne vais pas le faire. Il dit, d'accord, approche les oreilles. J'ai approché mes oreilles. Il dit, le monsieur, là, il a enceinté sa belle-mère. Je dis, ah! Et il se demande s'il va dire à son père. Il dit Donc ça c'était l'histoire du monsieur. Merci, 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 merci. Bon, je vais demander d'accueillir le chanteur de tout à l'heure, Monsieur Maxime Pedro, qui va venir m'épauler. Pour faire un peu le show. Maxime. Adjela, Adjela. Qu'est-ce que tu as d'ici là-bas? Ouais, ça se voit. Sí.
Non, viens. Quand tu veux partir, tu peux partir. Moi, c'est maman. Allez, tu peux partir. Montre. Allez, va faire les mises sont prêtes. D'accord. Apparemment, elles ne sont pas prêtes. Je ne sais pas les mises aujourd'hui là. Je ne sais pas si elles ont tous la diarrhée, je ne sais pas. On ne comprend pas. Quand ils vont s'échanger, ils m'ont donné 10 ans. Je ne comprends pas. Bon, je vais vous raconter l'histoire du petit Albert. Albert est très intelligent à l'école. Il est très intelligent à l'école. Mais je n'ai même pas encore fini, vous l'avez déjà. Albert, il est tellement intelligent à l'école que le professeur lui donne les copies des autres pour aller corriger à la maison. Je vous jure, Albert, son voisin, c'est un homme riche. Il est très riche. Il a acheté un 4x4. Oh, vous avez oublié là, un 4x4, c'est écrit 4x4. Albert, il est très intelligent. À l'entrée, il voit le 4x4 du monsieur. Il voit, c'est écrit 4x4. Oh, Albert, c'est un grand mathématicien. Il regarde 4x4. Il dit, mais ça, c'est une opération inachevée.